Donc bonsoir à tous, bonsoir, merci, c'est beau. Je m'appelle Lucas Sola et je vais modérer sur cette table ronde qui est inscrit dans le prochain slide. Nous allons parler des chefs d'OED francophones. En fait, en soi, on va vraiment parler des chefs francophones dans la BOD, mais plutôt de la création, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et la façon dont justement les différents acteurs autour de la table appréhendent justement cette création, soit dans ce qu'ils ont produit, soit dans ce qu'ils s'apprêtent à produire. Et justement, vous allez découvrir un truc intéressant, puisqu'on a même des vidéos à vous montrer. Avant ça, en propos introductif, je vais vous présenter rapidement bio les personnes autour de la table. S'ils sont sages, par contre, parce qu'ils sont vraiment indisciplinés, insupportables. C'est vous que je parle. Salut. Donc, du coup, on va commencer dans l'ordre par Claire Lepouze. Donc, Claire, pionnière de la distribution en échelle thématique, qui a travaillé dans plusieurs sociétés, donc Canal Satellite ou avec SFR, et qui ensuite a été productrice chez Capra pendant 5 ans, puis après a souhaité faire travailler seule et a quitté Capra pour monter FabLab Channel, qui est une structure de production. D'être là, je suis extrêmement content d'avoir remplacé au pied levé celui qui normalement aurait dû animer, qui certainement l'aurait fait beaucoup mieux que moi, mais je vais essayer d'être à la hauteur en tout cas de la personne qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui au Webfest. Donc je suis extrêmement content d'accueillir Jonathan Lambert et de pouvoir vous présenter cette série. On va regarder une vingtaine de minutes la série de Jonathan Lambert. Ensuite, on va reprendre ensemble la parole et on va essayer de vous apporter un certain nombre d'explications et j'espère que Jonathan va nous éclairer sur la genèse de ce beau projet et nous expliquer aussi pourquoi il est heureux d'être avec nous à un festival dédié à la série digitale et essayer de nous mettre tout ça en perspective par rapport à la fois aux diffuseurs qui vont porter cette créativité et ce format digital sur lequel nous travaillons tous. Donc je pense que c'est un magnifique éclairage d'avoir une personnalité comme Jonathan, issue de la télé, du divertissement au sens très très large et très noble, qui se prête aujourd'hui à un exercice créativement fort, qui est celui de produire une série digitale sur une plateforme dédiée à la diffusion de ce type de contenu. Voilà, donc merci d'être là. Jonathan, un petit mot avant de lancer la série. Oui, maintenant vous allez voir les 8 premiers épisodes, évidemment les propos qui sont tenus par le personnage David Chou n'engagent que lui. Je me déresponsabilise, on me désolidarise peut-être de ce personnage, mais c'est néanmoins un monstre que j'ai engendré et je suis assez fier et en plus de l'avoir fait spécifiquement pour le mettre. Merci, à tout de suite.